Eh bien salut, c'est Agi, on se retrouve pour le dernier épisode de Mario Kart 8, donc l'épisode 8. C'est bel et bien le dernier, on va faire la coupe éclair pour finir ce let's play. Par contre j'ai refait toutes les coupes pour avoir les 3 étoiles, donc j'ai eu les 3 étoiles assez facilement. Et c'est parti avec la coupe éclair avec Horloge Tic Tac 2DS, 3DS et Goût Piranha. Oui, Volcan Grodan, ah, un de mes préférés. Et la route arc-en-ciel Nintendo 64. Qui a été très bien refait d'ailleurs. On va voir ça, mais franchement, elle est magnifique. Donc c'est parti pour ce dernier épisode. Et après cela, on va pouvoir lancer toutes les grandes sessions entre abonnés, etc., etc. De toute façon, je reviendrai dessus à la fin. Oh là, je TikTok. Bien entendu, j'ai pris Bowser avec la même bécane et l'Ombrelle Peach pour le parapente ou le Terraplane, comme vous voulez. Allez, on y va. J'espère qu'on va réussir à tout le temps être premier pour ce dernier épisode. Coucou toi, déjà je lui dis. Mais Luigi, souvent, dans les courses, je le vois dans les premiers. C'est un truc de fou. Hein. C'est un dangereux, ce type. C'est un dangereux. Alors pareil, ça c'est des niveaux que j'ai pas joué sur les autres opus de Mario Kart. Parce que j'avais pas de console portable. Donc je connais pas vraiment à quoi ressemblaient les niveaux avant. Je connais que la forme Mario Kart 8, qui est excellente d'ailleurs. Un petit engrenage. Bon, pour le moment on est premier, je vois personne derrière. C'est plutôt tranquille. Une tirade de nos amis marseillais. Alors faire gaffe de ne pas se prendre le gong, parce que ce truc là peut nous faire dévier. Mais un truc de taille. Il faut faire très attention. Allez, on va reprendre ce truc là. Avec l'Ombrelle Peach, ce troll. Hop, petit boost. Bon, j'aimerais bien voir où ils sont quand même, parce que on a l'air d'être très loin. Et une éclair comme d'habitude. C'est génial. À chaque fois que je me chope une petite éclair à chaque coupe. Avec une petite carapace bleue, non? Je souffle un peu de ma gueule. Hop là. Donc dès que cette série sera terminée, hein, comme j'ai dit, on reviendra aux sessions. Abonné et Dream West. Wow, qu'est-ce qu'il m'a fait là, Boiser? J'espère qu'on me rattrape pas. Non, c'est bon. Bah, du coup, je parlais des sessions, mais ça m'a coupé dans l'élan, je voulais parler d'un autre truc. Ouais, bah je sais plus du tout, du coup. Qu'est-ce qu'il nous a fait, Boiser? Pourquoi t'as déconné là sur le côté? Ok, on finit premier, il est pas loin. À cause d'une connerie. Mais bon, on n'est pas rattrapé, c'est tout bon. Ego Piranha. Ouais, donc je disais, on fera les sessions, mais avant tout ça, je débloquerai tout sur ma partie. Donc je pense qu'on va commencer les sessions dans 2-3 semaines environ. Histoire que tout le monde soit en vacances et qu'on puisse tous rigoler ensemble sur de belles parties. Ils se foutent plein la gueule aussi, surtout. Plus on est, plus on rit, comme on dit. On fait bientôt les vacances, c'est parfait. Oh, la carapace rouge. Ça, je garde. Très rare, j'en ai. Bon, pour les sessions, n'hésite pas à dire par commentaire « Moi, j'aurais participé !» ou je sais pas, des trucs du genre. Je referai des annonces, bien sûr, mais au moins, je pourrais déjà assez prévoir combien il y aura de personnes pour le premier, pour la première session. Hop là. Donc, du coup, il va falloir que je débug tout. C'est-à-dire, à faire en caméra, ça sera la coupe miroir que je vais devoir faire pour voir les autres personnages. Et pour les éléments de véhicule, c'est juste avoir des pièces. Jouer online avec mes potes, ça devrait bien pouvoir faire. Putain.
Vas-y, il y a encore une Thunder dans la gueule. Comme d'hab. Hein. Comme d'habitude. Putain, j'adore ces figures de style, franchement, lui. Pour ça, je le prends. C'est un poids lourd et en plus, il y a des figures de style, mais. De ouf! Voilà. Voilà. 10 pièces, vitesse maximum. Parce que là, j'avais même parlé des roues, mais j'ai pas encore les roues qui me permettent d'avoir un gain de vitesse. Enfin, si, elle donne un petit peu de vitesse, mais pas énorme. Il y a deux trous, franchement, c'est OP. Pour les poids lourds, surtout, qui jouent sur la vitesse. La musique à speed, je crois, au troisième tour. Plus on fait des tours, plus ça speed. Je m'étais pas rendu compte, mais là, j'ai l'impression. Dégage. Pas trop s'approcher de la porte. Quand t'as y retourné d'un côté, on peut passer de l'autre. Mais quand on regarde d'un côté et qu'on passe de ce côté-là, faut faire attention. Hop, premier. Et cours suivant. Ah, le volcan condon. Et il y avait un glitch là-dessus sur Mario Kart Wii avec une pierre de à gauche qui se trouve à gauche. On disait un champignon, on montait dessus, on pouvait faire 3 fois le tour en 25 secondes. Bon, ils l'ont enlevé, hein, bien entendu. Heureusement encore. Dégage, toi, Luigi. Wow. J'ai pas confiance avec la banane. Il y a plein de trucs qui sont. Je crois que niveau glitch on est. Il n'y a pas grand chose hein. Je crois qu'il n'y en a même pas. Enfin pour moi il n'y en a aucun qui a été découvert mais je pense pas qu'il y en ait. Parce que chaque fois qu'on se barre dans un endroit où c'est interdit, vous avez une latitude qui te ramène. Oh non. Voilà. Hop le Mario, vas-y, dépasse-moi aussi. Yes. Alors on prendra en haut à gauche tout à l'heure. Comme on a habitude. J'essaie de prendre tous les passages. Quand c'est utile à montrer. Il y a un truc parapente par là-haut. Eh mais je veux pas des pièces. Donnez-moi des. Oh putain. Oh putain. La carapace. Non, pas des pièces. C'est très dangereux d'avoir des pièces. Hein. C'est bien, mais quand on en a un maximum, non, c'est pas bien du tout. Hop, tiens, on coupe comme ça là au-dessus. Voilà. Bien au-dessus de la lave. Allez, on va prendre en haut. Il y a encore des pièces. Et ici, un petit coup de parapente. Wouhou. L'ombrelle. Ça me fait délirer. S'il vous plaît, sortez-moi une petite banane ou une carapace. Oh, c'est trop. C'est du big troll. Yes. Ok. C'est bon. Si je me chope pas de carapace bleue ou de thunder ou d'éclair, ça va le faire. Je peux me protéger. Ouais, on va reprendre à droite. Ça a bougé. Le niveau s'effondre. Et premier. Ah. Elle lui dit toujours deuxième. Et on arrive sur la dernière course de ce let's play. Donc la dernière coupe éclair route arc-en-ciel Nintendo 64. Et là qu'est-ce que je vais faire? Eh ben je vais te laisser profiter, je vais pas commenter. Et franchement, écoute la musique, regarde le décor, c'est un truc de malade. Donc, on se retrouvera juste après.
Franchement, j'espère que t'as profité. C'est ici qu'on va conclure notre let's play. On arrive sur la fin, les amis. Oh, la carapace rouge. Et on finit premier. C'est bon, ça. Je kiffe ce niveau. Pourtant, j'étais réticent, hein, pour la conséquence de Nintendo 64. Voir les résultats. Parce que je l'ai pas aimé, du tout, sur Nintendo 64. Et là, franchement, waouh. Prendre une grosse bif dans la gueule. Coupe éclair et tableau. Ça y est, nous avons enfin toutes les coupes. Et en plus, 3 étoiles. C'est magnifique. Yeah. Mode miroir débloqué. Ça, c'est une chose que je ferai hors caméra. Un nouveau pilote est disponible. Ouais, ouais, c'est 400 pièces. Un véhicule. Voilà, customisation. Ah, le générique de fin. Donc, je vais poser mon gamepad. Franchement, je sais pas ce que t'en as pensé. Réagis par commentaire. Donner ton avis, ça fait pas de mal. Et puis, ça m'intéressera surtout. Moi, j'ai kiffé. Bon, le jeu est un peu court. Hein, j'en ai déjà parlé. Je trouve le contenu un peu court. Après, c'est fait pour jouer online ou avec des amis. Mais voilà. Pense à laisser un pouce bleu si t'as aimé la vidéo. Un pouce rouge si t'as pas aimé. Et si c'est le cas, tu me dis pourquoi. Sinon, on se retrouvera pour mes autres séries, c'est-à-dire Zelda, Pokémon Jaune, Tale of Symphonia et la série que je prépare, qui sera un nouveau retroplay quand on aura fini le Zelda Skyward Sword. Je vais mettre mon petit tableau dans la description, comme toujours, hein, où il y a toutes mes séries. N'hésite pas à jeter un coup d'œil, hein, vraiment. Et puis, voilà. Puis voilà. Donc j'espère franchement que tu auras apprécié ce let's play. Puis je te donne rendez-vous pour mes autres séries. Sur ce, porte-toi bien. Et à la prochaine. C'était Agi. Bisous.